Je sais pas si on dit Julos ou Julos, je vais lui demander, tiens. Et bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va et toi? Écoute, tranquille. Est-ce qu'on dit Julos ou Julos? Non, Julos. Mais bon, Julos. Après, je comprends l'hommage au fameux rapport marseillais, mais... Ah oui, bien sûr. Mais oui, tout à fait. Je pensais pas à ça, c'était plus genre... Bref. Soit, c'est noté, Julos. Ok, bon. T'as pu train comme tu voulais? Non, enfin, pas vraiment. J'ai un petit peu train aujourd'hui, mais pas trop sinon. En fait, j'ai pas du tout le temps. Ouais, tu disais que t'avais pas mal de boulot. Ouais. Je me disais aussi que je t'avais pas trop vu sur les maps d'entraînement. Après, je me suis dit peut-être que c'est une strat pour pas que je vois ce que tu fais, mais je t'ai vu pop sur la UK, genre aujourd'hui ou un truc comme ça, donc je me suis douté que peut-être t'avais pas eu le temps finalement. Aujourd'hui. Ok, bon, bah écoute, que le meilleur gagne, surtout pour le UK en vrai, parce que c'est un peu random. Hein. Ouais. Le UK, j'ai quelques points de repère. Enfin, j'ai pas mal fait du pas mal pris le train entre. Tu disais, t'as pas mal pris le train, c'est ça? Enfin, pas grand. Allô, allô, allô? Ah, petit problème technique apparent. Salut Nakiro! Merci, merci pour les bonnes chances, salut Pierre. Allô, allô? Ouais. Ouais, je sais pas, je... Je t'entendais plus, mais je sais plus si c'est parce que tu parlais pas ou... Ah non, bah je sais pas, je disais juste que je parlais du fait d'espérer avoir des points en Écosse. Ah ok, j'ai pas entendu ça, tu disais que t'avais pris le train en Écosse du coup, c'est ça? Ouais c'est ça, j'ai ah, pris... Ah ok, bah, moi c'était arrêté à train, du coup j'avais pas la fin de la phrase. Ouais non, j'ai fait les allers-retours entre Paris et Dumbo. Ah ouais, c'est... Et c'était bien du coup? Les trajets en train jusqu'en Écosse? Bah en vrai c'est long mais ça se fait. Non mais je veux dire ça doit être joli à voir. C'est joli surtout sur la fin quand t'arrives en Écosse. Le reste, genre vraiment l'Angleterre c'est plat et y a beaucoup de champs et c'est pas super intéressant. Newcastle, Morpeth, attends c'est Morpeth juste avant ou après? C'est assez joli. Durham, c'est vraiment très joli quand t'arrives en train. Okay. Et à partir de ce qu'il y a encore au nord, en fait, t'as un petit bout qui est avant d'arriver à Edimbourg où t'es vraiment sur la côte et tu vois la mer, et c'est très joli. Ça a l'air très très stylé en vrai. Bon, on va voir. Moi, les seuls points de repère que j'ai, c'est ceux que j'ai pu trouver pendant les sites que j'ai fait un petit peu là ces derniers jours. J'étais pas trop dispo ce week-end, donc j'ai genre commencé de train dimanche. Pour de vrai, donc on va voir. On va voir ce que ça donne. On verra bien. Ouais. Tu veux commencer par le UK du coup? Bah écoute, ouais, on va faire ça. Ouais. Dans l'ordre, ça me va très bien. Ça marche. Ok. T'es en live du coup? Ouais, je suis en live. Ok, cool. Ben, normalement, les gens ont un raccourci vers ta chaîne dans le titre. N'hésitez pas à aller voir. Hop. Hop. Ouais, bah, si vous voulez, hein, franchement, je suis pas un streamer professionnel, je stream très très peu juste. Bon, je pense que les gens s'en fichent, ils aiment juste voir qu'est-ce qui se passe du côté de chaque côté de la site. Moi en ce moment, en plus, en CTL, quand je joue, je parle pas. Genre les gens, limite je pourrais ne... limite je serais pas en stream, ce serait pareil, tu vois. Les gens n'ont pas le droit à du commentary, je suis concentré, tu vois. Ah bah en même temps... Compliqué, hein. Il faut se concentrer. Il faut se concentrer, ouais, de fou. Bon, bah écoute, On se retrouve aller, après la UK. Ouais, à tout à l'heure. Allez, bonne chance. Bonne chance, bon courage. Oh, il est trop gentil. Il a l'air trop gentil. Bonne chance, merci. Juste aller me chercher un cookie que j'ai fait tout à l'heure. D'ailleurs, je les ai ratés, mes cookies. Parce que je sens que je commence d'avoir faim et vous savez très bien que quand j'ai faim, je joue pas bien. Donc je vais me prendre un petit shoot de sucre, j'arrive.
Ok. Du coup, ouais, les cookies du four, mais en fait, j'ai pris des cookies tout faits de je ne sais plus quelle marque, Nestlé, je crois. Et genre, bon, déjà, j'ai eu un problème de quantité d'ingrédients. Donc déjà, ça commençait pas bien. Et de deux, bah, mes boules de cookies, elles se sont pas vraiment aplaties. Voilà. Bref, j'ai voulu tester si c'était bien quand c'était tout fait. Non, voilà. Je reprendrai ma recette classique. Mais on n'est pas là pour parler bouffe. Bon, comme d'hab, hein, je voulais vous ignorer, de toute façon, vu que je vais mâchouiller là-dedans, vous avez pas envie d'entendre. Donc, à tout à l'heure, et je vais vous cacher, évidemment. Est-ce qu'on pourrait avoir un truc un peu plus énergique que ça? Bon, n'hésitez pas à dire à Julos potentiellement s'il m'attend à la fin que j'ai un petit peu pris mon temps, ok? À tout à l'heure! Jamais vu Waterside. Putain, j'étais bien avec Kirkin Tidoche, j'aurais pas dû partir. Ok. 65 points d'avance.
Quand je retourne au spawn, je peux plus bouger, c'est normal?
Ah, c'est bon, je peux. Merci à tous. Oh là là. Ok, ça me gonfle. Ça m'a complètement. Ah, ça m'a complètement perturbé le point qui bouge plus là, quand je reviens en start, ça m'a saoulé. Aïe aïe. Ouais, je prends 10 secondes là. Chier, non! Ah non! Bon, bien joué à lui. Ah, je suis dégoûtée. Bon, bah tant pis. Pas grave. Putain! Ah, je suis dégoûtée en vrai. Ça m'a fait paniquer le. Pourquoi j'ai éteint la musique? Il m'a fait paniquer le R4 là. Retourne au start, je peux plus bouger. Putain, ça me fait chier quoi. C'est du scoring 75k, no worries. Bah non, vu que c'est du. C'est du. C'est du winner bracket, donc non. C'est à la map. Bon. Re. Heureux. Bien joué. Bon, on n'a rien joué au R1. Hein. Ouais, le R1, ouais. Ouais. Je suis déçu parce que j'avais mon point sur Kirkin Tilor, mais comme je ne voyais pas Waterside, je me suis barré. Un petit peu déçu. Et le R4, j'ai paniqué complet parce qu'à un moment, je retournais au start pour essayer d'affiner. Et là, je ne pouvais plus bouger en fait. J'étais bloqué. Ah, allez, merde. Et oui, non, après, du coup, j'ai perdu toute ma concentration et c'est parti en sucette. Ouais.
Bien joué à toi. Bah merci. En fait, le R1, pareil. Hein, j'ai mis mon point sur la route. Sur la B8048, pile à l'endroit où je suis arrivé. En fait, je suis arrivé dans la ville de Kirkintilov. Ouais, pareil. Au rond-point. Mm-hmm. Et je me suis dit, tiens, ça ressemble à là où j'arrive. Et je me suis dit, non, en fait, c'est pas ça. L'orientation, elle est pas bonne. Ah merde. Bon, après, c'est pas. Et le R4, bah, comme je te disais, Musselburgh, bah, je connais la station de train du coup, donc. Ouais. Et je sais pas pourquoi j'ai paniqué, parce que j'ai vu Musselburgh et je l'ai pingé assez vite, mais pareil, là, je trouvais que. Enfin, un peu pareil que toi, je trouvais que l'endroit marchait pas. Et du coup, bah, ouais. J'ai paniqué, je suis parti ailleurs, et puis voilà. Ouais, ça arrive. Bien joué. Bah, bien joué à toi aussi, hein, quand même. Ouais, bah, on n'a pas fait des mauvais scores, hein, c'est certain. Ouais. C'est certain. Bon. Empire Ottoman, let's go ? Ouais. Ouais. Oula. Oula. Bon courage, hein. Ouais, pareil. À toutes. À tout à l'heure. Oui, pardon. Putain, je suis très déçue, ouais. Très déçue d'avoir un point buggé qui me fait paniquer, c'est un peu dommage. Alors le dernier point, je suis assez fière de moi parce que quand j'ai vu la A50 je sais pas quoi, je me suis mis direct là où j'ai zoomé parce que je croyais que la map elle était très... Il y a un peu toujours les mêmes coins qui revenaient, donc je savais qu'il y avait des chances que ce soit là-bas. Et heureusement que la ville Camdenes, je sais pas quoi, elle se voyait. Oui, le comeback. C'est pas compliqué, il me faut des points Grèce, Turquie, et les numéros de téléphone et on gagne, ok? On fait ça? Le zoom confirme ma surprise. Je t'avoue que j'y croyais pas et j'étais très heureuse. Non, j'y croyais pas, j'y croyais à moitié. J'étais en mode genre, oh non, pas encore cet endroit de mort. Et là, j'avais de la chance, c'est une ville qui se voyait à peu près. Mais je trouve que la coupe de la Ligue UK, il y avait un peu tout le temps les mêmes coins qui revenaient, genre le coin du R5 un peu paumé. Glasgow, Édimbourg, c'était fou le rempli de points. Je crois que j'ai eu une seule fois un point dans la banlieue de Londres. Et sinon, c'était un peu vers genre Plymouth. Ou alors très très vers Aberdeen. Surtout les zones industrielles, c'était génial. À chaque fois, je comprenais rien où j'étais. Je savais que j'étais à Aberdeen, mais je sais jamais où. C'était jamais marqué le putain de quartier à chaque fois. Bref, tout ça est derrière nous. Jamais eu de coin par là sur les sites UK que j'ai joué cette semaine. C'est vrai? Putain, mais j'ai eu tout le temps les mêmes coins et c'était ceux que j'ai lissés. C'est fou. Anyway. Bon allez, à toutes!
Enfin, j'ai eu que des numéros de téléphone qui n'existent pas. Beko, je le connais pas. Je l'y vois d'un moment, j'ai le clic qui a pas été pris en compte. Putain, je suis vénère. Merci la GH pour le raid. Merci Thomas. Moi je joue mal. Il mérite totalement. Bon, allez, tant pis. Je comprends pas, hein, comment tu trouves l'info là. Oh, putain, mais mon Pathlogger quoi! Comment c'est possible? Oh là là, mais. Oh, mais pitié quoi! Thank you.
l'enfer sur Terre. J'espère que j'ai vraiment pas raté une intersection à la con avec une info et que... Bref, j'espère qu'on est à égalité sur Surround. Putain, je sais plus. Agri. Tu es un sorcier, Agri. Ah, et puis musique. Là, en espérant que ce soit copyright free. Tout simplement, en fait, ce serait juste ça. Non, c'est cul-de-saké en plus, je suis sous ma gueule. Ah,
Oh. Je... Ok. J'ai jamais vu d'info. Et QCA qui est des deux côtés pour moi. Je sais pas si c'était pareil pour lui, mais... Un peu déçu de cette seed en vrai. Un petit peu déçu tout court en fait. Très bien. C'était pas... Franchement, c'est une des pires seeds automans que j'ai faites. Hein. Un petit peu déçu. Bien joué à lui. Trop fort. Bon, je vois qu'on était autant paumés l'un que l'autre en Hongrie. Bon, le R5, je crois qu'il m'explique. Bon, bien joué à lui. Tant pis. Je n'aurai pas ma victoire de quatrième tour. Et re. Re, GG. Bien joué, bien joué. Ce point au gris était horrible. Mais ouais, j'ai personnellement rien trouvé. Et Jordanie, pour moi, c'est pareil, j'ai rien trouvé. T'as trouvé une info? Ouais, je suis... Parce que moi j'étais cul-de-sac des deux côtés en fait, donc je sais pas si toi aussi, mais... Non, en allant vers le nord, nord-est, enfin j'ai pas été cul-de-sac en allant vers le nord-est, bah... en allant vers le sud-ouest, ouais. Ok, bah moi mais j'étais cul-de-sac des deux côtés, sud-ouest vraiment genre en deux clics, et au nord-est je suis arrivé à un rond-point et je pouvais pas aller plus loin. Ouais, bah en tout cas j'ai pu passer au travers du rond-point, mais j'ai eu les infos avant le rond-point. Il y avait un... Juste avant le rond-point, il y avait un panneau avec marqué... Alcazar, Al-Mujib. Okay, et surtout la 35. Ah ouais. Ouais, d'accord. Ok, ouais. Bah j'ai pas vu cette info. GG. Très bien. Ouais, bah c'est en même temps si t'as pas vu ça. Je comprends. C'est... Ouais. C'est dommage. B-Rock, j'avais pas. Bekozda en Turquie, j'avais pas la ref. Je suis tombé que sur le numéro de téléphone que je connaissais pas. Et au moment où j'ai vu Bekoz à la fin que j'ai cliqué, ça n'a pas pris en compte mon clic. Donc un peu déçu aussi. Merde. Ouais. Ouais, la seed était un peu chiante en vrai. Ouais, il y avait juste le point Est-Turquay qui était un peu gentil. Où il y avait le panneau directement à gris. Tout à fait. Mais peut-être le point Serbie aussi, mais vraiment les trois autres étaient pas cool. J'ai eu un peu de chance sur le point 1, franchement, parce que j'étais perdu. Je voyais qu'il y avait. Je connais pas super mal la Turquie non plus, mais j'ai vu qu'il y avait des tours en tuiles, donc je suis mis vers l'ouest. Après, j'ai vu qu'on était sur un lac ou une sorte de lac. J'ai pensé à peu près pas mal de côtes ou de lacs en me disant, ouais. Et à la toute fin, j'ai trouvé Beykoz. Enfin, toute fin. Ouais, j'ai une info Istanbul, mais très tard, et le temps que je capte. Ouais. Pas réussi à faire mieux. Bah, en vrai, j'aurais pu largement perdre sur ce point. Si j'avais pas trouvé à 20 secondes de la fin. Ouais, non, une seed difficile. Bien GG en tout cas. Surtout sans train, c'est très impressionnant. Après, quand même, cette zone-là, je l'ai eu quasiment la semaine dernière. Ah oui, on m'avait dit, ouais, c'est vrai. J'avais eu. Je sais plus ce que j'ai eu exactement. Middle East, donc ouais, quand même. Enfin, Moyen-Orient. Il y avait quand même la Turquie, la Jordanie. Ok, pas les Balkans, mais quand même, ça donne des points déjà que je connaissais. Enfin, un peu, que j'avais un peu traîné. Eh bien, bien joué alors d'avoir bénéficié de ce training aujourd'hui. Bravo à toi. Merci le tirage. J'avoue. J'avoue. 8 points Grèce, déçu.
très heureux pour ma part. Bah ouais, j'aurais bien voulu avoir des points Grèce en vrai. Mais bon, tant pis. Ouais. Eh bien, écoute, c'est sûrement sur ça que ça se joue aussi. Ou quoi, je sais pas en vrai. Hein. Je pense. Le premier point en Turquie, j'ai juste paniqué et je sais pas, j'ai pas bien géré. En vrai, cette site, elle était. J'ai jamais eu de site vraiment comme ça. Déjà, il y avait des street views cassées, puis c'était un. Enfin, je sais pas. J'ai jamais trop eu ces localisations-là, les entraînements que j'ai eu, donc j'étais un peu. Ouais, j'avais pas trop de repères à certains moments. Ouais. Mais ouais. Ouais, je comprends. C'est pas bien grave. Bah, c'est la joie de la seed random, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Bah écoute, je te propose de passer sur la no-move. Ouais. Bah écoute, bon courage. Oui, à tout. Toi aussi. Le numéro de tel que j'avais était pas complet. Ok. Bah, première fois que je tombe sur plein de numéros de téléphone qui sont pas complets. Un petit peu décevant du coup. Ouais, un peu frustrante. Ouais, tant pis, hein. C'est pas bien grave, hein. Cette fois-ci, il y a des arbres par rapport à tout à l'heure, quand même. Il y a un peu de neige. Là, c'est vraiment la mer, là. Je sais pas. J'aime bien ça, mais ça a pas l'air très escarpé ce qu'il y a ici. Bon, c'est pas assez nord. Je sais pas, de toute façon j'ai perdu alors. Let's go. Ah, c'est au nord des Lofoten, ok. C'est pas bien grave. Première fois que j'ai en Norvège, je regardais copyright, j'ai jamais appris les répartitions de street view, donc personnellement, je ne regarde pas ça. J'aurais envoyé du urban, mais ça marche pas en fait. Enfin, mais attends, je suis con. Sinon, si c'est ça. Je repars là. La côte, pas trop comme ça à l'est. Après, je vois pas de ouf non plus. Peut-être qu'on est plus vers là. Ouais, je sais pas. Oh, let's go. Très bien.
Très bien. Je vais brancher mon cerveau parce que là j'ai juste tourné dans le vide en fait. Mais j'en ai aucune foutre idée, c'est très grave. Hein. Ouais, j'aime pas, mais j'aime pas non plus. Puis... Non, bon, on a eu le même guess, très bien. Ouais. Peut-être un peu énervé là où je me suis mis quand même. Ouais. Ouais, bon, je sais pas, tant pis. Ah ok, bon. Ah mais même là, j'arriverai pas à prendre le point. Bon bah, trop fort. 3-0. Très bien. Bon. Bien joué à lui. Bien joué à lui, bien joué à lui. Ça s'est joué à quoi en vrai? On a fait quasiment les mêmes guesses. Oh, le guess suède était incroyable en vrai. Ouais, il mérite complètement. Il mérite complètement. En vrai, les... Roumanie, les poteaux étaient un peu carrés, j'ai hésité de fou, mais je trouvais que ça faisait pas roumain pour un son. Oh, un nouveau follower. Merci beaucoup, Lutin Compris, pour le follow. Bon, allez, petite victoire personnelle, le quasi 5-1 en Afrique du Sud. Ouais, merci, c'est gentil, Firma, un peu déçu de moi quand même. Bien joué. Bien joué. Très très beau guess au round 3. Merci. C'est ma petite consolation du match. Très beau guess le guess suède là que t'as fait. Je sais pas comment t'as eu l'idée de te mettre aussi haut, mais. Je sais pas. En vrai, c'est les arbres. Genre vraiment, ils avaient pas l'air si haut que ça. Et un peu... vraiment, c'est du feeling pur. Je me suis dit, j'ai pas envie de me casser la tête sur la Suède. De toute façon, je... Enfin, comment dire, j'ai vraiment mis au pif, quoi. en disant, ça peut être très bien être beaucoup plus au sud ou beaucoup plus au nord. Mm-hmm. Mais le feeling que j'avais, c'était nord. Voilà. Bien joué.
Bon bah écoute, il te reste plus qu'à tout défoncer en winner bracket. Si tu trouves le train de train par-dessus ça, tu finis en finale là. Ouais, non. J'ai une thèse à finir, mais... Ah, t'as une thèse à finir? Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, non, j'ai pas le temps de... Désolé. pas de finale. Désolé. Désolé pour toi. Le timing est pas incroyable. Non, bah de toute façon, c'est comme ça. Ouais. Bon, en tout cas, bon courage pour Loser Bracket, parce que franchement, les groupes de 4, c'était l'enfer. Ouais, je vais m'amuser, je sens. Ouais, je suis très heureux d'esquiver ça, et désolé de t'envoyer là-dedans. À moins que tu gagnes effectivement la finale comme je le prévois, tu verras bien assez tôt de quoi il s'agit. Oui. Oui, je n'imagine pas aller beaucoup plus loin. Donc je verrai bien assez tôt, effectivement. Ok, ça marche. Bah écoute, bonne soirée à toi, bonne continuation. Ouais. Et à bientôt. Bonne soirée. Ciao, ciao. Allez. Salut. C'est l'enfer, mais les no-moves sont trop déterminantes. Moi, j'aurais plutôt dit c'est l'enfer et les no-moves sont trop déterminantes. Ah, bon. Ok. Et ben très fort, Julos. Très balèze. J'ai rien pu faire. Oui, et plus adapté, ouais. ok, bon, moi j'ai pas encore mangé, donc je vais aller manger. Est-ce qu'il y a un petit match qui a démarré? J'imagine en vrai. Je vois que ça a démarré chez Exalt, enfin, ou ça va bientôt démarrer chez Exalt pour le lower bracket. Oh, il y a Flymi en plus dedans, cool, je vais aller regarder ça, tiens, en mangeant. Oh, vite. Ah non, c'est bon, il est en training, là, je vois un truc 5 sur 5. Ouais, j'ai pas trop eu de chance sur les maps, en vrai. Si ça avait été une autre répartition, je pense que j'aurais fait mieux. Et un petit manque de... sans froid sur un ou deux moments. Mais bon, c'est comme ça. Écoutez, je suis contente de au moins avoir réégalé mon record de winner bracket. Ça fait 3 fois d'affilée. mais en même temps, c'était plus dur. Il y avait plus de monde aussi cette édition. Donc, c'est pas spécialement étonnant. Et puis, on va voir. Ça se trouve, on va faire un ou deux matchs de lower bracket. Non, hein, je pense qu'on va en faire qu'un seul et ça va aller très vite. Mais voilà. Yes, merci à vous d'avoir été là, c'était chouette. Passez un bon moment sur le stream d'Exalt. Puis on se voit au moins la semaine prochaine pour au moins un match de lower bracket. Et puis l'avenir nous dira ce qu'on fait les semaines suivantes. Voilà, des bisous, ciao ciao.